Jewelry is an art and not a consumer product. This is how we could sum up the spirit of creation of Jean Vendôme. Ohan Tudarian, Vendôme's real name, was a pioneer of modern jewelry. Jean Vendôme a révolutionné le bijou à une période où il en avait besoin. Il trouvait que depuis l'Antiquité, depuis les arts décoratifs, il y avait eu un espèce d'appauvrissement des formes et il avait vraiment l'envie de réinventer la joaillerie. Jean Vendôme designed jewelry like a true artist. He began with sketches, which precisely expressed perspectives and lines. En général, les dessins de joaillerie sont des dessins à l'échelle 1. Or lui, ils sont pleine page sur des formats A4 et c'est vraiment des mini-sculptures. The jeweler immersed himself in the art world and was in tune with the major artists of his day. Dans les sculpteurs qui vont l'intéresser, il y a Henri Moore, et ce qui retient particulièrement son attention, c'est l'aspect structurant du vide. Et c'est un petit peu ça qu'on va retrouver dans la bague tour, parce que cette bague ouverte va surprendre tout le monde. Les gens vont penser qu'il manque un petit bout de métal au-dessus. Or l'idée de Jean, c'est d'allonger la main, et le fait de ne pas avoir de métal sur le dessus de la main vous donne l'impression d'avoir des doigts beaucoup plus longs. The jeweler was passionate about kinetic art, research into movement and architecture. There was nothing surprising about the fact that he showed his work alongside François Morlaix or Victor Vasarely at the very futuristic 1972 Salon des Artistes Décorateurs. C'était assez joli, c'est que ces bijoux étaient exposés dans des bulles transparentes qui flottaient dans l'air comme ça, c'était assez beau à voir. During his Vega period, evoking the elusive world of galaxies, Vasarely wanted to convey the pulsations of the cosmos, one of Jean Vendôme's favorite themes. Quand les dirigeants du Vasarely Art Center de New York vont venir le voir en lui demandant de créer des bijoux avec Vasarely, Jean Vendôme va se mettre à dessiner en tenant compte de l'esthétique du mouvement cinétique. In the end, the project was never completed. But a few sketches from this original collaboration have survived, some of which are conserved at the Musée des Arts Décoratifs in Paris. In the early 60s, when the Nouveau Réaliste group emerged, formed by Yves Klein and Jean Tinguely among others, Jean Vendôme found himself swept up in this movement, finding his materials within reality. The jeweler thus favored raw minerals, disparate elements, and stones whose form and poetry were more important than their plastic perfection. Le dormeur, c'est un collier qui est fait avec des pinces de crabe. C'est vraiment un collier qui est tout à fait portable, malgré son apparence, et qui épouse complètement le corps. Et c'est vrai qu'on peut penser au homard de Jeff Koons suspendu au château de Versailles, et évidemment aussi le téléphone homard de Salvador Dali, qu'il a bien connu. Moi, je vois mon père en fait comme un artiste du bijou, c'est-à-dire les pinces, les chalumeaux, le porte-scie, c'était ses pinceaux. Up until his very last creations in the early 2000s, Jean Vendôme was distinguished by his unique, sensitive, and poetic style. The singular creations of this artist in a class of his own recall Baudelaire's phrase, "The beautiful is always bizarre."